Attention, cette vidéo est un avis donné par l'orateur. Il n'a en aucun cas l'avis que tout le monde doit penser ou adopter. Donc ne mettez pas de commentaires offensants ou blessants parce que vous n'adhérez pas à l'avis. Cependant, vous pouvez toujours donner votre avis dans les commentaires. Merci et bon visionnage. Bonjour à tous, ici BooBooFan pour une nouvelle vidéo de l'avis du jeu, où je parlerai d'un jeu qui va sortir sur Wii U le 7 mai 2015. Ou qui est sorti le 7 mai 2015, selon la date à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc, il s'agit de Kirby et le pinceau arc-en-ciel, ou Kirby and the Rainbow Curse. Sorti sur Wii U, c'est un jeu de plateforme, déconseillé au moins de 3 ans, c'est-à-dire un jeu tout public. Il est jouable en solo ou en multijoueur sur le même écran. Le nombre maximum, c'est de 4 joueurs. Et il coûte 40 ou 50 euros selon le magasin. Alors tout d'abord d'un point de vue des graphismes. Franchement, je salue Nintendo parce que ce genre de graphisme en pseudo pâte à modeler, c'est vraiment super génial. J'adore. Donc déjà on peut remarquer que c'est une touche super mignonne comme dans tout Kirby qui se respecte. Et surtout on a un petit aperçu d'un Yoshi's Story. Ce qui ressort franchement pas mal. Pour un jeu Kirby, ça le rend encore plus mignon. Et je voudrais aussi dire un grand bravo à Nintendo parce que dans tous leurs trailers, ils ont montré un aspect pâte à modeler pour le gamepad. C'est vraiment très axé sur la pâte à modeler et sur les films justement animés. Ce qui ressort vraiment super bien. Et surtout, on a une histoire qui colle avec ça. Même si ça serait plutôt axé sur la peinture, mais c'est à peu près la même chose. Donc c'est vraiment une super réussite. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Kirby qui par une belle journée se détend, mais un méchant apparaît et décide de voler les couleurs de Dreamland. Kirby et Waddle Dee n'ont pas pu se protéger de cette attaque, et se retrouvent vidés de leurs couleurs. Mais, grâce à l'aide d'une fée de couleurs, Ellie, elle donne vie à Kirby et Waddle Dee, et elle décide de les emmener pour sauver la planète Popstar. C'est un scénario assez classique, mais qui fonctionne. Alors, d'un point de vue du gameplay, on remarque que c'est très proche de Kirby et le pinceau du pouvoir. C'est-à-dire que vous ne contrôlez pas directement Kirby, mais vous contrôlez la trajectoire, l'aller-retour de Kirby grâce à des fils qui le dirigeront tout au long de l'aventure. Ensuite, d'un point de vue de la musique, franchement, elles sont géniales. Comme dans tout Kirby, les musiques sont juste... Je ne sais même pas comment dire ça parce que c'est juste magnifique. Les musiques d'un Kirby sont super bonnes, et celles-là, elles en font partie des bonnes. Donc, musicalement, c'est génial. Alors, du point de vue de la durée de vie, je dirais que c'est franchement pas mauvais, mais comme tout Kirby, je pense que le jeu se finit assez rapidement, si on s'y plonge directement. Mais franchement, il y a 7 mondes, je pense que ça peut facilement t'occuper. Et d'un point de vue de l'accessibilité, franchement, c'est pas mauvais parce qu'il y a un petit niveau tutoriel au début qui te permet d'apprendre les bases, mais il ne dure pas super longtemps, ce qui fait que justement, on n'est pas surmené par le tutoriel à nous dire c'est quand qu'il finit, parce qu'il dure trop longtemps. Donc franchement, c'est bien dosé et ça nous apprend les bases pour jouer à Kirby. Donc c'est vraiment un bon point. Et pour finir, je voulais parler de la connectique Amiibo, ce qui permet, grâce à l'Amiibo Kirby, Dadidou, et Meta Knight d'obtenir des petits pouvoirs quand on joue, ce qui permet d'avoir des petits bonus franchement sympathiques. Mais comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les amiibo, c'est pas complètement nécessaire, ce qui fait qu'on pourra jouer sans amiibo, ce qui est vraiment bien. Et avant de donner mon verdict, je vais passer la main à Mamibou pour son anecdote du jour. Allez Mamibou, c'est à toi. Bonjour mes petits, ici Mamibou pour une anecdote sur Kirby. Alors, étant plus jeune, je n'avais pas l'occasion d'acheter des jeux Kirby, parce que je ne connaissais même pas ce personnage. Pour tout dire, je l'ai connu grâce à Super Smash Bros, c'est un peu la honte, mais bon. Mais malgré tout, c'est un personnage que j'aime énormément. Pas autant que Dadidou, mais quand même. Et du coup, si je trouve des jeux Kirby en promotion, j'essaye de rattraper mon retard. Mais franchement, ce jeu, quand j'ai vu ses graphismes, j'ai pas pu m'empêcher de l'acheter Day One. Franchement, et je suis pas déçu, parce que ces graphismes me séduisent franchement pleinement. Et donc, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien et bon gaming à tous. Salut. Merci, mamie.
Alors, finalement, qu'est-ce que l'on retient de Kirby et le pinceau arc-en-ciel ? Bah, c'est un jeu Kirby qui est complètement dans le même univers super mignon et kawaii, avec des musiques superbement bien travaillées, malgré quelques lacunes encore sur la durée de vie, mais qui sont largement compensées par la qualité du travail. Mais ce jeu innove comme Kirby au fil de l'aventure, sur Wii, avec un univers superbement bien travaillé visuellement, c'est-à-dire que Kirby au fil de l'aventure avait expérimenté le fil de laine et la couture. Et cet opus reprend le principe de la pâte à modeler et des films justement réalisés avec la pâte à modeler. Donc c'est vraiment superbement bien réussi. Donc franchement, je ne peux que vous conseiller d'acheter ce jeu et passer un super moment avec Kirby et ses Waddle Dee. Ce jeu sera sûrement une perle de la Wii U. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à partager cette vidéo. On se retrouve bientôt dans les aventures de Solange dans Pokémon Verfeuille ou le Let's Play de Banjo-Kazooie. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien et je vous dis à bientôt tout le monde, salut à tous !